Très bien, merci à vous, merci Pierre. Puis ben, je passe du coup la parole à Damien Motti, donc qui est à Riyad et qui va nous présenter une étude sur l'échographie et le strain et l'évolution dans la mylose. Damien, à toi. Oui, bonsoir, bonjour tout le monde, merci beaucoup, je suis heureuse d'être parmi vous ce soir, il est 15h30 chez nous, pratiquement 16h-10, 2 heures de différence, et je remercie donc les organisateurs de cette invitation. Sans trop tarder, j'ai trouvé cet article qui a été publié il y a moins d'un mois, le 17 octobre, intéressant pour une échographiste qui s'intéresse à tout ce qui est imagerie moderne, l'impact du tafamidis sur le strain myocardique, son évolution au cours du temps chez les patients porteurs d'une cardiomyopathie à transthyrétine. Alors, cet article fait partie du registre donc en Vienne et ils avaient à peu près dans le registre 138 patients. Le background, le rationnel de cette étude, c'est que on sait tous qu'il y a des évidences que le traitement par tafamidis, qui est un stabilisateur des tétramères de transthyrétine, est efficace sur la mortalité cardiovasculaire à long terme et sur le rate des hospitalisations. Dans l'ATTRACT trial qui a été publié en auguste 2018, c'était une étude multicentrique internationale qui avait montré qu'il y avait une réduction significative des hospitalisations cardiovasculaires et la mortalité cardiaque et all-cause mortality, en fait, toute la mortalité, ainsi qu'une amélioration clinique sur la capacité fonctionnelle et la qualité de vie de ces patients au-delà de 12 mois de traitement. Le problème, c'est qu'on ne savait pas trop par quel mécanisme cette amélioration clinique et cette amélioration des outcomes se traduisait. Donc, leur but, c'était de voir s'il y avait des paramètres échographiques qui étaient corrélés ou qui pouvaient expliquer ça. Donc, l'objectif de leurs études était d'investir en fait l'impact du tafamidis sur les paramètres ventricule gauche, ventricule droit et strain de l'oreillette gauche chez les patients avec cardiopathie transthyrétine. On sait tous que cette cardiopathie est plutôt donne de une dysfonction diastolique d'abord, d'où l'intérêt du strain myocardique d'oreillette gauche et puis bien sûr un épaississement du ventricule gauche et droit de façon diffuse. Et de déterminer donc les changements dus à ce traitement par tafamidis en les comparant au baseline et au follow-up après quelques mois. Que ce soit les paramètres standards échographiques, l'épaisseur du ventricule gauche, du ventricule droit, ainsi que les paramètres de contractilité systolique étudiés par le strain tel que le GLS. Et puis voir aussi comparer des populations différentes, c'est-à-dire des patients traités par du tafamidis à 60 mg versus 20 mg historiquement à l'époque quand Pfizer donnait le médicament, ou alors des patients qui étaient naïfs de traitement, qui n'avaient pas à l'époque, parce qu'en 2014, on n'avait pas encore l'indication du tafamidis dans ce traitement. Et puis corrélé, bien sûr, avec des paramètres cliniques tels que, et biologiques tels que le NT-proBNP et le test de 6 minutes. Donc, voilà, les patients, ils ont exclu tous les patients qui n'avaient pas au moins 2 échographies de baseline et de follow-up. Ils ont exclu les patients, bien sûr, qui étaient décédés et les patients qui n'avaient pas du tout de follow-up ou des images qui n'étaient pas sur lesquelles n'était pas possible de faire des mesures de strain. Et puis, ils ont comparé, donc, comme je vous disais, le tafamidis à 61 mg versus le tafamidis à 20 mg, ainsi qu'une population qui n'était pas du tout traitée pour voir un petit peu l'histoire naturelle de l'évolution. Et ils ont inclus au total, en fait, initialement, on avait, comme je vous ai dit, 138 patients, mais avec toutes les exclusions, on arrivait à 109 patients avec 54 traités par qui n'avaient pas de traitement, 43 qui avaient un traitement par 61 mg et 12 qui n'avaient un traitement à 20 mg. Donc, pour les baselines, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ils nous montrent ici qu'il n'y avait aucune différence entre les trois cohortes de patients, quel que soit l'âge, le sexe, l'année à classe, les comorbidités, et ainsi que le pourcentage d'autres anomalies telles que les coronariens ou le diabète ou la neuropathie. Au niveau des paramètres biologiques et échographiques, également en comparant les trois groupes de patients, on voyait que il y avait une seule différence, c'était celle de la prévalence de l'hémoglobine, de l'anémie, qui était un peu plus fréquente chez les patients qui avaient 61 mg, donc 13 versus 12, le 12 c'était les naïves. Par contre, le rate de troponine, de NT-proBNP et tout le reste, et les paramètres échographiques standards et de GLS étaient équivalentes et n'étaient pas significativement différentes entre les trois groupes. Par contre, au follow-up, le follow-up était à peu près
8 mois, environ de 8 à 12 mois, donc on va en discuter après la discussion, ils voyaient qu'il y avait une différence entre les trois groupes. Comment ? Il y avait une stabilisation en fait des paramètres de strain du VG et du VD chez les patients qui recevaient du tafamidis 61 mg. Stabilisation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amélioration, mais il n'y avait pas d'aggravation de ces paramètres avec au baseline, par exemple, un strain, je parle en valeur absolue, hein, 11,75 versus au follow-up 11,58, par contre, avec un p-value à 0,5. Par contre, chez les patients qui recevaient une petite dose de tafamidis 20 mg ou qui ne recevaient rien, eh bien, il y avait une aggravation de ces paramètres. Au baseline, par exemple, ils avaient 10,6% versus 10,12%. La différence n'était pas significative quand les patients ne recevaient pas de traitement entre le baseline et le follow-up. Autrement dit, le fait de donner le traitement à forte dose à 61 mg permettait de stabiliser la maladie, alors que quand ils ne recevaient pas, ils progressaient en termes d'épaisseur du ventricule, en termes de GLS, en termes de GLS du ventricule droit, de l'oreillette du ventricule droit et de l'oreillette gauche. Alors, il y avait une corrélation significative, alors il dit significative parce que le P est égal à 0,02, mais la corrélation était 20% entre les changements du strain longitudinal sur le ventricule gauche avec le NT-proBNP. Également, il y avait la stabilisation du GLS et des biomarqueurs était expliquée en fait ils étaient corrélés, alors que quand il n'y avait pas de traitement, il y avait une aggravation, une augmentation du BNP ainsi qu'une détérioration de ces paramètres-là. En conclusion, donc, ils disent que le traitement par tafamidis à bonne dose, à 61 mg, chez les patients qui ont une cardiopathie à transthyrétine, permettait de stabiliser ces paramètres. Elle ne les améliorait pas, mais elle permettait de les stabiliser, ainsi que l'épaisseur du ventricule gauche et la fraction éjection, qui pouvait expliquer en partie les bénéfices qui étaient expliqués sur le test de marche et le NT-proBNP. Et donc, il disait que ces paramètres d'imagerie pouvaient être des paramètres valides pour la progression, pour suivre le monitorage de cette maladie au cours du temps. Alors, il y avait d'autres, en fait, dans le même mois, il y avait un autre article qui était venu, bon, ils discutaient ça dans la discussion, qui parlait de la même chose. C'est un papier en particulier de Harvard, je crois, avec Sarah Cuddy et Rodney Falk, qui montraient qu'effectivement, il y avait une stabilisation du GLS chez les patients qui avaient du tafamidis, alors qu'il y a une détérioration chez les patients qui n'avaient pas. Par contre, je tiens votre attention à vous dire ici, bon, on va en discuter maintenant pour les critiques, mais voyez, par exemple, j'ai mis une partie de cet article qui montrait que en quatre chambres, ça changeait pas, en trois chambres, sauf en deux chambres. Donc, c'est un peu à discuter. Bref, donc je reviens à notre article, les commentaires. Pour moi, j'ai trouvé que le follow-up de ces patients était trop court, 8 à 10 mois en moyenne. Il n'y avait pas de groupe health control, c'est-à-dire les gens qui n'avaient rien du tout afin de voir un peu la valeur. On sait que la valeur du GLS est de moins 20%, mais quand même, si on avait un contrôle, c'était bien. D'ailleurs, ils l'ont mis dans les limitations, surtout quand on parle de strain de l'oreillette gauche, quand on sait qu'il est un peu particulier, et puis le fait qu'il n'y ait pas de variabilité, d'études de variabilité inter- et intra-observateur parmi ces chiffres-là. Ensuite, ce que je trouve, c'est qui est un peu curieux et qui me un peu chiffonne, on va dire, c'est variations absolues de strain qui sont trop petites, c'est-à-dire ils ont parlé qu'il y avait une amélioration significative, qu'il y a une détérioration significative quand on descendait de 11,7 à 10,5. C'était trop petit dans la pratique clinique. Ça peut être juste lié à la variabilité inter ou intra-observateur. Autrement dit, si moi je fais l'échographie, je trouve 11%, quelqu'un qui trouve 10,2%, je ne sais pas si on peut dire que ça c'est une différence significative. En tout cas, leur p-value paraît semble le dire. Mais par contre, à l'opposé, quand ils parlent de patients qui était stable, et ben pareil, c'était, il y avait une différence même pas de 1%. Il disait que c'était stable et le p-value n'était pas différent. Donc je ne sais pas si c'est le hasard des statistiques ou pas. Surtout que le nombre de patients qu'on a ici, ça tournait entre 62, 54 et 21 patients. Donc à la limite, je sais bien que quand il y a 1%, quand on a 60 000 patients ou 20 000 dans une étude, telle que dans les grandes études d'insuffisance cardiaque, on voit qu'une fraction d'éjection de 59 à 61 peut être significative. Mais là, j'ai un peu de doute et donc ça m'a un peu chiffonné. Et puis
dessus, surtout quand ils parlent du ventricule gauche, par exemple l'épaisseur, ils disaient qu'un millimètre de change dans le ventricule était considéré comme significative chez les patients qui n'étaient pas traités et passaient, je sais pas, de 19,5 mm à 21,6 mm. Donc ça, on sait que le M-mode n'était pas aussi précis. Tous les gens qui font de l'échographie savent que c'est des variations qui peuvent être dues à la technique elle-même et que 1 mm ou 1,5 mm dans la mesure du VG, pour mon sens, moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais de l'échographie, je trouve que ça peut être d'une mesure à une autre. Voilà, pour moi, c'est des choses à discuter et voir avec vous, les modérateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais au moins, 1,5% de valeur absolue de GLS à 6 mois, alors qu'on sait que le cours de la maladie, on sait que l'étude ATTRACT a pris plus de 18 mois, entre 12 et 18 mois, pour que les effets cliniques sur l'outcome commencent à apparaître. D'ailleurs, beaucoup de docteurs me demandent qu'est-ce qui va se passer au bout de 6 mois. Peut-être que les patients ne viendront pas à l'hôpital, il y a une certaine stabilisation, mais de là à dire qu'il y a une amélioration je ne sais pas. Enfin, voilà. Ouais, pour moi, j'en suis restée un peu dérangée par ces résultats qui étaient tout petits. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Non, pas regardé. Parfait, mais merci beaucoup. Je voulais juste dire que je partageais tes réserves sur le plan d'un patient. Je pense que 1% de différence de strain, ce n'est pas interprétable. Peut-être que sur une population, c'est significatif, mais pour le suivi des patients, je suis d'accord avec toi. Et je crois que tu as répondu à la question de Benoît qui demandait s'il ne fallait pas attendre un petit peu plus. Et que vous êtes assez d'accord pour dire que probablement qu'un suivi de 6 mois, c'est un peu court. Voilà, je laisse la parole à Benoît ou Florian, je ne sais plus, pour annoncer la prochaine bibliose, parce qu'on est juste à court de temps. Oui, c'est moi qui fais la conclusion, puisqu'on arrive au bout. Juste, je suis assez d'accord sur le fait que ce soit significatif au plan statistique et probablement pas significatif au plan clinique. Voilà, bah écoutez, merci à tous pour ces interventions et les questions. La bibliothèque se conclut pour aujourd'hui. La prochaine aura lieu dans 15 jours, donc le 24 novembre, avec à nouveau des intervenants de grande qualité et des interventions de grande qualité aussi. Bonne journée à tous. Merci.